Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Messieurs les intervenants, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom du président Haberton, président de cette nouvelle Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, qui a vu le jour il y a quelques mois et qui est aujourd'hui la deuxième Chambre de commerce française, et en tant que président de la Commission internationale, je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence qui est consacrée à l'Inde en tant que locomotive des BRICS. Monsieur l'ambassadeur, encore merci de nous faire l'honneur de votre présence à cette occasion. Alors, si l'Inde a été choisie comme pays à l'honneur de ce forum international, ce n'est pas pour rien. Si Christine Lagarde, directrice générale du FMI, qualifie l'Inde de moteur clé de l'économie mondiale, vous comprendrez aisément pourquoi l'Inde est à l'honneur aujourd'hui. Alors, la Chambre de commerce ici a bien sûr été un partenaire historique, et le représentant sur le territoire français d'ailleurs du programme européen, European Business and Technology Center, qui est basé à New Delhi et qui était créé pour accompagner le développement export des entreprises françaises dans le domaine aussi varié des technologies de l'environnement, des énergies renouvelables, la mobilité urbaine, Smart City et l'efficacité énergétique. Nous organisons régulièrement des ateliers sur l'Inde, ainsi que des rendez-vous avec des experts, avec l'aide de tous les partenaires comme Business France Inde et la CCI France Inde, pour permettre à nos entreprises et en particulier à nos PME d'aborder ce marché dans les meilleures conditions. Monsieur l'ambassadeur nous a remarqué dans un petit briefing que nous avons eu lieu avant qu'il y avait de grands échanges au plus haut niveau entre la France et l'Inde dans les grands domaines, mais qu'il manquait probablement une dimension plus entrepreneuriale, PME, dans les relations commerce entre la France et l'Inde. Et donc je pense et j'espère que cette conférence va contribuer à développer cela. Alors, ce forum de l'international, j'en redirai juste quelques mots. Ça sert bien sûr à accompagner les entreprises dans leur développement à l'international et c'est une des priorités non seulement de notre territoire mais aussi également au niveau national. Les entreprises qui sont accompagnées sont celles qui réussissent le mieux à l'international et il faut toujours se rappeler que le nombre d'exportateurs français, 121 000 en 2015, n'a pratiquement pas changé depuis plusieurs années. Sur les territoires et notre territoire en particulier, cette Chambre de commerce métropolitaine, nous avons l'ambition, bien évidemment dans les années futures, d'augmenter ce nombre d'exportateurs. D'une façon générale, 2015, ça a été une année assez morose sur le plan du commerce international, puisque nous avons toujours une balance commerciale dégradée de plus de 45 milliards d'euros. Mais il faut quand même signaler que notre région Rhône-Alpes, et peut-être Rhône-Alpes-Auvergne, a un solde positif de plus de 2 milliards d'euros, ce qui montre bien le dynamisme de cette région. Dans ce contexte, il faut continuer à dynamiser l'export. C'est une nécessité. Nous avons des atouts, nos entreprises, en termes d'innovation, de technologie et de compétitivité. Ces atouts, nous devons les faire valoir à l'étranger. Le facteur clé du rebond de la croissance des entreprises, c'est l'international. La CCI, c'est le premier interlocuteur de nos entreprises à l'international, et notamment la porte d'entrée pour les primo-exportateurs qui ne doivent pas avoir peur d'oser aller à l'international. Ce forum est fait pour ça. Cela sert à faire rencontrer 85 experts de différents marchés qui viennent de plus de 35 pays différents. Il y a bien évidemment le soutien des experts à l'international de votre Chambre de commerce et les partenaires de l'équipe Rhône-Alpes de l'export qui sont là tous ensemble pour valider tous ces projets. Vous pouvez participer à des conférences comme celle-ci. Il y a aussi des ateliers qui sont basés sur des retours d'expérience d'entreprise, ce qui est pour beaucoup d'exportateurs la meilleure preuve de leur réussite et de leur engagement à l'international. Nous avons eu des ateliers à Saint-Étienne lundi, hier et aujourd'hui même ici à Lyon, et demain nous clôturons à Roanne cette série de conférences et d'ateliers dédiés à l'international. Nous sommes
particulièrement heureux d'avoir cette conférence, hein, et Monsieur l'ambassadeur nous fait vraiment l'honneur de nous faire cette introduction, et nous aurons ensuite le témoignage de plusieurs entreprises qui sont présentes sur ce marché indien depuis plusieurs années, qui sont là pour vous faire partager leur expérience. Notre chambre de commerce se tient à votre disposition. Usez tous ces services, ils sont à votre disposition. Hein. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne conférence et une bonne après-midi. Merci. Du coup, Monsieur Lémoni, je crois que vous devez partir, non ? Non, je vais rester. Oui, vous allez rester ? Je vais rester. Moment. Très bien. Bien, écoutez, Monsieur l'ambassadeur, je vous en prie. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur le Président et CCI Lyon International pour m'avoir invité. Évidemment, c'est un grand honneur pour moi de venir ici à Lyon, participer à cette conférence. Et bien sûr, l'Inde, c'est le pays d'honneur, donc je suis encore vraiment, vraiment ravi qu'on parle de l'Inde aujourd'hui. Je dis toujours à mes amis français que quand on parle de l'Inde, il faut toujours comparer l'Inde avec l'Union européenne, pas avec France. Parce que si vous regardez les chiffres, grosso modo, l'Union européenne a 28 États, nous avons 29 États, 4 millions de kilomètres carrés, presque la même, l'Inde. Il y a quand même, la population c'est double, 550 millions, l'Union européenne, nous sommes 1,3 milliard. En plus, vous avez 2-3 religions maximum, nous avons 6. Donc, si un businessman français vient me dire, alors il vient me voir et puis il me dit, écoutez, c'est complexe, c'est grand, alors, ça c'est évident que nous sommes grands, nous sommes complexes, mais il faut quand même comparer avec une entité qui est peut-être moins complexe, mais quand même qui est grand, qui est exactement la même taille. Donc, ça c'est le premier constat. Deuxièmement, pourquoi l'Inde? Et si vous prenez en compte que nous constituons seulement 3% du commerce international, ce n'est pas grand-chose. Hein? Chine, c'est 15%, États-Unis, c'est 25%, etc., etc. Donc, pourquoi l'Inde? Parce que Christine Lagarde, notre directeur général de FMI, il a dit très clair en Inde, à New Delhi, il y a 2 semaines, que 2/3 de croissance économique globale viendra de l'Inde. Donc ça, c'est clair. Il y a des autres régions du monde dans lesquelles la croissance ralentit. C'est faible. Et nous avons quand même le scénario de ce que les économistes appellent soit en anglais « jobless growth », ça veut dire croissance sans emploi, ou bien le « secular stagnation », ça veut dire dans une situation dans laquelle la croissance reste faible pendant très très longtemps, ce qu'on n'a jamais vu dans le monde. Et après la deuxième récession mondiale, nous sommes confrontés avec cette situation globale dans laquelle l'emploi n'accroît pas et la croissance reste très très faible ou même négative. Dans cette situation, l'Inde s'est quand même placé relativement favorablement. Nous avons une population qui s'accroît quand même, année après année. Nous avons une population qui est très, très jeune. Et notre premier ministre parle toujours de 4D. En anglais, on dit démocratie, c'est la même chose. Demande, ça veut dire vraiment la marché, si vous voulez. Et puis, nous avons aussi la démographie. Ça veut dire une population qui est très jeune, qui peut constituer un marché important. Et quatrièmement, nous avons maintenant ajouté « deregulation ». Ça veut dire nous avons fait des réformes économiques que je parlerai dans une seconde. Mais pourquoi « Make in India », ce projet ?« Make in India » parce que nous sommes confrontés par un défi absolument phénoménal en Inde. Chaque mois, il y a 1 million de personnes qui cherchent l'emploi. Chaque mois. Donc, nous avons presque 10-11 millions de chercheurs d'emploi chaque année.
Et si vous regardez l'économie indienne, c'est quand même un peu anormal parce que la partie de secteur manufacturier au PIB, ça constitue seulement 15%. Normalement, dans une économie de taille comme Chine, Taïwan ou bien même Corée du Sud, la partie de secteur manufacturier, c'est au moins 20-25%. C'est normal parce que quand vous passez d'une économie agrarienne basée sur l'agriculture à une économie vraiment moderne avec la base de services, etc., le secteur manufacturier doit être au moins 20-25%. Sinon, vous n'allez pas trouver de travail pour les gens. Les gens qui ont travaillé dans l'agriculture, vous devez trouver quand même les emplois pour eux. Et vous avez fait ça avec votre secteur manufacturier pendant la révolution industrielle. Nous avons vraiment sursauté, si vous voulez, ce stage, cette étape de développement économique, et nous avons passé d'une économie agrarienne ou à une économie vraiment moderne avec le service. Nous avons beaucoup de personnes qui travaillent avec le logiciel, software, IT, etc. Mais ça peut pas vraiment nous aider de trouver 1 million d'emplois chaque mois. Ça, c'est notre défi en Inde. C'est pourquoi nous avons vraiment conçu, si vous voulez, ce projet de Make in India. Et Make in India, ça veut dire franchement pour attirer les investissements étrangers directs et puis essayer d'avoir des usines en Inde qui peuvent fournir les emplois pour les gens qui cherchent les emplois. Jusqu'à maintenant, nous avons une expérience d'à peu près 19 mois depuis le lancement de ce projet. Certainement, l'investissement étranger direct en Inde, l'année passée, c'est 40 milliards de dollars. Donc, par rapport à l'année passée, c'est 25. Donc, il y a eu des résultats quand même très concrets. Et pendant une période entre juillet et décembre 2015, on a même dépassé la Chine du point de vue de l'investissement étranger. Ça, c'est quand même quelque chose qui est significatif parce que la Chine attire normalement beaucoup plus d'investissements que l'Inde. C'est toujours 60 milliards quelque chose Chine vis-à-vis l'Inde qui est seulement 35-40. Donc, pour une période de 6 mois, grâce à Make in India, à mon avis, nous avons quand même réussi d'attirer les investissements. À part de ça, nous avons vraiment lancé des réformes économiques qui, à mon avis, sont absolument révolutionnaires du point de vue indien. Alors, je vous raconte les réformes, après vous apprécierez. Parce que moi, j'ai passé 35 ans dans le service diplomatique de l'Inde et c'est presque impensable. Par exemple, maintenant, vous pouvez obtenir une licence d'industrie en ligne. Ça, c'est inconcevable en Inde que vous pouvez faire quelque chose sans rencontrer un bureaucrate en personne. Ça, c'est absolument inconcevable en Inde. Parce que, un peu comme France, nous avons un État très fort et les bureaucrates, je n'ose pas comparer, mais vous pouvez imaginer, nous avons une bureaucratie très forte aussi et sans rencontrer un bureaucrate, c'est presque impossible de faire quelque chose en Inde. Maintenant, avec le nouvel gouvernement, le nouvel Premier ministre, nous avons un IBIS portail qui est ouvert 24/7. Vous pouvez essayer de demander une licence vendredi, samedi, par exemple, il travaille. Et vous pouvez avoir une licence industrielle en ligne. Ça, c'est le premier développement absolument révolutionnaire. Deuxièmement, on a ouvert 13 ports et 14 aéroports en Inde 24/7. Ça veut dire qu'on travaille même dans la nuit, les douanes. C'est ce qu'on a fait depuis 18 mois. Ça, c'est extraordinaire aussi parce que l'Inde, c'est quand même... il y a beaucoup de notoriété sur les délais. Hein? Les marchandises arrivent en Inde, ça passe beaucoup de temps dans les ports et les aéroports à cause de bureaucratie. Donc, nous avons fait cette chose absolument révolutionnaire qu'on travaille maintenant, pas seulement samedi, dimanche, mais 24/7. Et depuis cette mesure, on a vraiment réussi à diminuer le temps
la marchandise passera dans les douanes. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qu'on a fait vraiment pour attirer l'investissement étranger, c'est d'avoir un régime d'investissement qui est basé sur ce qu'on appelle la route automatique. Ça aussi, c'est révolutionnaire en Inde. Normalement, si vous avez besoin d'un si vous êtes un investisseur, on vous demande en Inde, auparavant, on a demandé toujours pourquoi vous venez en Inde. Ça, c'est la première question par le bureaucrate. On voudrait savoir pourquoi vous investissez en Inde. Maintenant, on a essayé de remplacer quand même ce qu'on appelle en anglais « the red tape with red carpet ». Ça veut dire bureaucratie avec tapis rouge. Tapis rouge, vous comprenez. Mais red tape, je ne sais pas l'expression en français. Hein, donc, écoutez, je peux parler très, très couramment en anglais, mais moi, je pense qu'avec français, c'est beaucoup plus mieux. Oui ou non? Très bien. Parce que je n'ai pas les notes, je parle sans notes, évidemment. Donc, vous pouvez trouver que c'est un peu difficile. Mais moi, je pense qu'étant donné l'audience, c'est beaucoup plus mieux de parler en français. Merci beaucoup. Donc, on a essayé de remplacer le red tape avec le tapis rouge, red carpet. Et moi, je pense que maintenant, la question est pourquoi vous n'investissez pas en Inde? Et auparavant, on a l'habitude de dire que vous prenez un très grand risque d'entrer en Inde, investir en Inde. Maintenant, je voudrais dire tout simplement que vous prenez un très grand risque de ne pas investir en Inde. Parce que, tout simplement, c'est un marché qui n'est pas encore développé, qui a donc beaucoup de marge à manœuvre à développer. Et même les autres marchés, par exemple, sont saturés. Il n'y a pas beaucoup de marge à manœuvre de développer. Et à mon avis, étant donné la population, la population qui est au-dessus de 35 ans, étant donné le régime d'investissement qu'on a en Inde aujourd'hui, vraiment les très grandes sociétés prennent un très grand risque de ne pas être présents en Inde. Et c'est ce que le CAC 40 a tout de suite compris. Donc, il y a l'investissement croisière entre l'Inde et France qui ont bougé d'une manière très impressionnante depuis un an et demi. Par exemple, le Capgemini, j'ai déjà dit que le Capgemini vient d'acheter une société en Inde et qui ont quand même 130 000 employés en Inde maintenant. Deuxièmement, le Mahindra, c'est une société très connue en Inde, vient d'acheter Peugeot Scooters en France. Troisièmement, Airbus maintenant a quand même signé un accord avec Mahindra, la même société, pour manufacturer, pour produire les hélicoptères en Inde, dans le cadre de Make in India. Donc, il y a au moins 10 exemples que je peux vous donner, dans lesquels le CAC 40, les sociétés qui sont très grandes, comme Veolia, Safran, etc., qui ont vraiment beaucoup investi en Inde. La question est la suivante, et les Français me posent toujours, pour CAC 40, ils ont quand même des ressources, ils ont la patience, etc., mais les petites et moyennes entreprises françaises, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À mon avis, les réformes qu'on a faites, par exemple, obtenir une licence industrielle en ligne, c'est vraiment pour faciliter, pas CAC 40, mais petites et moyennes entreprises françaises. Deuxièmement, registration of a company, mais quand même pour faire enregistrer une société en Inde, ça, normalement, ça la prenait entre 5 jours et 10 jours. Maintenant, c'est un jour. Moi, je parle seulement de enregistrer la société. Hein. Pour commencer un business, ça c'est autre chose, cela prenait 129 jours en Inde, on n'était pas très fiers, maintenant c'est 28 jours. C'est quand même une diminution remarquable depuis un an et demi. Donc ça prenait 129 jours auparavant, maintenant c'est seulement 28 jours. Et 28 jours, les choses, ce qui est vraiment, vraiment drôle, la chose qui prend le maximum, le temps, c'est vraiment la connexion d'électricité. Ce qui est vraiment déficitaire en Inde. C'est pourquoi on a lancé d'ailleurs l'Alliance internationale solaire pendant la COP21 en Inde. C'est clair qu'en Inde, il y a quand même un lien entre pauvreté économique et déficit énergétique. C'est clair.
Et pendant très longtemps, on dépendait sur le charbon. On continue de dépendre sur le charbon, mais notre ambition, c'est vraiment avoir 50% d'électricité en Inde avec les énergies renouvelables. Ça, c'est vraiment le défi, si vous voulez, en Inde. Si vous prenez l'historique de réforme économique en Inde, la première chose qu'on a appris les fonctionnaires des diplomates comme moi, il y a 34 ans, je suis entré dans le service diplomatique en 1981, on m'a dit toujours, il ne faut jamais penser aux Indiens qui sont riches, il ne faut jamais penser à classe moyenne. La seule chose que vous devez penser, c'est vraiment les misérables, 350-400 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et votre décision, comment impactera-t-il sur ces 400 millions? C'est la question qu'on pose toujours. Et c'est pourquoi on a pris des positions très différentes dans le cycle de l'Uruguay à l'OMC, etc. Parce que parfois, pour un Français, c'est peu compréhensible la position de l'Inde. L'Inde est quand même un pays qui a fait des progrès remarquables, etc. Pourquoi le marché est un peu fermé? Hein? Si vous demandez cette question, le problème pour nous, c'est l'impact des réformes économiques, pas sur la moyenne classe moyenne, pas sur les riches, mais surtout sur les 350-400 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est un peu la logique, si vous voulez, des réformes économiques. Il y a deux réformes économiques qu'on n'arrivait pas à faire en Inde. Je constate d'ailleurs que faire des réformes dans d'autres pays aussi, c'est un peu difficile. Hein? Mais ça, c'est un constat, c'est tout. Mais en Inde, c'est tellement difficile parce que le gouvernement a cette majorité dans la chambre basse. Ils n'ont pas la majorité dans le Sénat. C'est ça le problème pour le nouvel gouvernement de l'Inde. Il y a deux choses qui sont très, très sensibles en Inde. Tout d'abord, la terre. Acquisition de terre pour faire le développement industriel, ça, c'est un très grand problème pour nous. Parce que si vous achetez de terre d'un paysan ou une personne pauvre, le problème, c'est est-ce que le consentement est totalement volontaire? La compensation, est-ce que c'est équitable? Ce sont des questions qui sont extrêmement importantes dans un pays comme l'Inde, parce que les gens qui possèdent de l'Inde, ils ne comprennent rien du tout et ils signent. Parfois, on vient, on le dit qu'écoutez, on va construire une autoroute, on a besoin de terre, c'est ça la valeur, vous n'allez jamais obtenir la valeur plus de ça. Et puis on signe. Donc ça, on est en train de légiférer sur cette question d'acquisition de terre. Ça prouve très, très difficile et j'espère que dans un an, on va quand même arriver à résoudre ce problème. Entre-temps, ce qu'on a fait en Inde, j'ai remarqué que nous avons 29 États. On est en train d'installer un système qui s'appelle « competitive federalism ». Nous sommes un pays fédéral. On essaie de quand même promouvoir un peu de concurrence, si vous voulez, entre les États. Donc, s'il y a un État en Inde qui veut aller en avant, c'est comme si Allemagne et France vont en avant et Grèce décide de rester un peu derrière, hein, si vous voulez. Donc, vous parlez de « two-speed Europe ». Donc, on parle maintenant d'un fédéralisme concurrentiel en Inde dans lequel quelques États vont avancer beaucoup plus vite que les autres. Donc, pour les petites et moyennes entreprises françaises, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Que quels sont les États qui sont préférables pour investir par rapport aux autres. Et finalement, on a aussi parlé à ce budget-là qui vient de présenter le ministre des Finances. On a parlé d'une loi pour la faillite, bankruptcy law en Inde. Pour le moment, nous n'avons pas une loi de faillite en Inde, ce qui prouve difficile pour les sociétés étrangères surtout. Et deuxièmement, on est en train de aussi avoir des cours commerciales, parce que le procès judiciaire en Inde, parfois, ça peut être long. C'est pas très, très vite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de régler avec l'établissement de cours commerciales qui sont là vraiment exclusives pour les affaires commerciales. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire à propos des réformes
économique en Inde aujourd'hui. On dit toujours en Inde que c'est une plaisanterie, évidemment. On dit que au bout du compte, les choses s'arrangent. Et si les choses ne s'arrangent pas, ce n'est pas au bout du compte. Donc, il faut avoir beaucoup de patience. Mais ceci dit, franchement, je répète c'est ce que j'ai dit il y a 15 minutes, vraiment, on n'a pas le choix. Si vous regardez, ça, je dis ça avec beaucoup de modestie, hein, je dis pas ça avec beaucoup d'arrogance, mais moi, je pense que le marché indien maintenant, ce n'est pas vraiment un choix pour les sociétés qui préfèrent enfin, investir à l'étranger. C'est vraiment une nécessité. Vous n'avez pas le choix. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans lesquels on peut investir avec une certitude de marché. Donc, avec un gouvernement qui est, comme on dit, business friendly, moi, je pense que c'est vraiment le temps d'investir. Un dernier mot, peut-être, sur les relations bilatérales qui se portent, comme Monsieur le Président a dit tout à l'heure, qui se portent extrêmement bien. Surtout, le partenariat stratégique va très, très bien. Mon propre investissement croissier aussi, ça avance beaucoup. Le problème, c'est vraiment le commerce pur et simple. Et je ne connais pas la raison. J'ai quitté Paris il y a 6 ans. J'étais en poste ici comme chef de mission adjoint il y a 6 ans. Je suis revenu après 6 ans et je trouve que le chiffre est à peu près le même. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit quand même faire le forcing, comme on dit en français. Il faut faire quelque chose. Je suis prêt à travailler dans l'ambassade. J'ai remercié quand même la Chambre de commerce internationale Lyon pour m'avoir reçu. Et on va travailler aussi avec les institutions comme CCI. Je suis prêt à écouter si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le commerce pur et simple est vraiment resté au même niveau. Peut-être les Français préfèrent des autres marchés, peut-être les Indiens préfèrent des autres marchés, je ne sais pas. Mais je reste absolument convaincu qu'au moins dans 2-3 domaines, on peut faire beaucoup plus. Tout d'abord, pharmaceutiques, produits pharmaceutiques. Je n'arrive pas à comprendre, cette fois-ci, je suis venu à Paris après 6 ans, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on paye pour les médicaments. Ce sont vraiment, vraiment chers chez vous. Je ne parle pas des médicaments qui sont sous brevet. Je ne parle pas des médicaments pour cancer ou diabète, etc. Moi, je parle des médicaments pour les rhumes, pour les mal à la tête, etc. Ça, c'est vraiment, vraiment inacceptable parce qu'en Inde, c'est rien du tout. Et vous avez des alternatives qui sont disponibles. Les pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques génériques qui sont vraiment, vraiment moins chers et qui... Ça, c'est quelque chose que je vais travailler avec des autorités, avec l'Agence nationale de sécurité des médicaments à Paris. Deuxièmement, je continue à penser que dans le domaine de IT, enfin informatique, logiciel, etc., on peut faire beaucoup plus en France si vous êtes disposé. Ça veut dire que ça dépend de votre gouvernement, votre société. Est-ce que vous voulez vraiment utiliser les outils qui sont disponibles? Ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, personnellement, moi, je pense que s'il y a un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde, ça va faciliter aussi les choses. On est en train de négocier avec Bruxelles parce que la politique commerciale, c'est quand même Bruxelles pour l'Union européenne. Ce n'est pas les pays individus qui négocient avec l'Inde, c'est l'Union européenne qui négocie avec l'Inde. Et on est en train de le... Je souligne d'ailleurs que le Premier ministre indien va quand même visiter Bruxelles il y a... Enfin, dans quelques jours, hein, dans 5-6 jours. Il va passer 2 jours à Bruxelles. Il va certainement parler d'accord libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Et je suis quand même convaincu que si nous pouvons arriver à un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde, automatiquement, à mon avis, le commerce quand même doit être augmenté entre les deux pays. Avec ces mots, Monsieur le Président, encore une fois, je vous remercie de votre attention. Merci.
Bien, Votre Excellence, merci beaucoup en fait pour cette présentation, hein, en tout cas qui était en français, parce que nous on avait prévu de la faire en anglais, et donc je voulais vous prévenir, mais finalement c'était pas un problème. Voilà, donc on va passer en fait sur la partie, on va dire, témoignage d'entreprise. C'est vrai qu'on a un petit peu débordé, je voulais vous prévenir. Donc pour ceux qui ont des rendez-vous à 15h, n'hésitez pas à aller au rendez-vous. D'ailleurs, Pierre, est-ce que tu en as à 15h? Voilà, sachant qu'en fait on garde la salle après, donc on peut déborder un petit peu. Sachant que là on a des très belles entreprises avec des belles expériences, je pense, très différentes. Voilà, donc moi je vous propose de commencer en fait avec donc le groupe Vicat, alors qui n'est pas une PME, hein. Et ensuite on continuera avec Xavier Daval, donc de Kilowatt Sol, pour la partie, on va dire, un peu plus PME. Et enfin Pierre Denuel, en fait, qui est notre, on va dire, on travaille régulièrement avec lui puisqu'il accompagne les entreprises sur le marché indien pour tous les aspects, on va dire, d'approche de marché. Voilà. Donc, Merci Aya. Nous sommes la PME du ciment. Merci, monsieur l'ambassadeur, pour votre présentation, votre présence à Lyon également. Je crois que votre dynamisme, et c'est le premier témoignage, votre dynamisme est une image fidèle de l'Inde où tout est possible. Vicat est une entreprise familiale dont l'histoire a deux siècles. Nous sommes une industrie de transformation, un fabricant du ciment, béton, granulat. Il y a peu de bâtiments sur Lyon qui n'aient pas de produits Vica. Notre origine est une origine de Rhône-Alpes-Auvergne, pour prendre les divisions administratives actuelles. Nous sommes maintenant dans 11 pays. Nous avons 8000 collaborateurs directs, un chiffre d'affaires de 2,5 milliards d'euros. Et nous sommes devenus, d'une certaine façon, franco-indiens, après avoir investi 7000 crores, c'est-à-dire 860 millions d'euros, presque un milliard de dollars en Inde, dans deux cimenteries. Alors vous voyez un point rouge marqué Bharati Cement, ça c'est, nous sommes dans le sud de l'Andhra Pradesh. Nos bureaux sont à Hyderabad, dans le Telangana, hein, qui est un état récent qui vient de la scission de l'Andhra Pradesh, qui était beaucoup plus grand. Et notre deuxième cimenterie est au nord du Karnataka, dans le district de Kalburgi, Kalburga, et qui dessert les marchés du Maharashtra. Nous avons des carrières de granulats, une à Bangalore pour l'instant, et nous en ouvrons bientôt une à Chennai cette année. Et nous fabriquons également des sacs en polypropylène laminé. Au total, ce sont 2000 emplois directs créés depuis 2010. Le ratio dans nos métiers, c'est de 1 pour 10, c'est-à-dire pour un emploi direct, il y a minimum 10 emplois induits. Et nous sommes tout à fait dans le programme de Make in India, c'est-à-dire nous produisons localement pour le marché local avec des locaux. Nous sommes, alors Vicat en Inde, alors vous voyez deux photos, ce sont deux photos d'usine, hein, celle de gauche est dans le Karnataka, celle de droite dans Andhra Pradesh. Vous voyez les bâtiments blancs, là c'est là, le village qui abrite nos collaborateurs. Nous avons là une capacité de production de 8 millions de tonnes. 8 millions de tonnes, c'est la moitié du marché français. Donc ce sont de très grosses usines, ultra modernes, qui ont des ratios techniques exceptionnels, qui consomment peu d'énergie. On consomme 70 kWh par tonne de ciment, là où en France, on est à 110, pour ne citer qu'un paramètre. Vicat est un acteur de la filière d'excellence constructive, si j'ose dire. Il y a deux pôles auxquels nous appartenons, vous posez la question, pour l'innovation constructive, et Indira, qui est plus orientée vers les infrastructures. Nous sommes actionnaires de Transpolis, qui est la première ville laboratoire à l'échelle 1. C'est dans l'Ain, hein, c'est la région, et ça résonne tout à fait avec le programme de Smart Cities. Et l'Inde parle de 100 nouvelles Smart Cities. Hein, ce sont les chiffres qui étaient cités par le Premier ministre Modi à Chandigarh en table ronde que nous avions à l'occasion de la visite du président Hollande. C'est tout à fait considérable. C'est un chantier incroyable. Et la démarche entreprise pour les initier ce programme est tout à fait exemplaire. La
consommation en Inde, consommation de ciment par habitant est de moins de 200 kg. En France, on est à 300, dans le monde à 500. D'autres pays comme la Turquie à 800. La Chine, c'est supérieur à 1000, une tonne. Ces chiffres, couplés à la croissance de la population indienne, expliquent pourquoi Vika s'est installé là-bas. Et pour reprendre vos mots, l'erreur aurait été de ne pas investir en Inde pour nous. Voilà, c'est un seul exemple. On va passer sur un autre slide, parce que notre activité, donc nous sommes vraiment dans le Make in India. Vous voyez un certain nombre de slides. Là, vous voyez en bas à droite la puja de l'inauguration, enfin de la pose de la première pierre de notre cimenterie dans le Maharashtra. Chaque bâtiment construit respecte les règles indiennes. Hein. Vous parliez de religion. Bien, nous avions là des brahmanes qui priaient pour le succès de nos affaires. L'interculturel est très important, et quand on s'implante en Inde, il faut être ouvert à cela. C'est un point important. Nous avons nous-mêmes balayé, parcouru le pays pendant plus de 10 ans avant de nous implanter en Inde. On parle beaucoup de difficultés. C'est un peu comme lorsqu'on dit à une femme enceinte tous les problèmes qu'elle va avoir. 999 fois sur 1000, il n'y a aucun problème, elle n'entend parler que de ça. Donc quand on s'implante à l'international, on demande, mais est-ce que vous avez eu des problèmes? Bon, on a eu peu de problèmes, mais j'irais, si je devais en retenir deux choses. Un, le foncier, vous l'avez cité. Foncier, ce n'est pas un problème, c'est du travail. Hein, avant de construire une cimenterie qui a besoin de calcaire comme matière première, eh bien, il faut maîtriser le foncier. C'est simple, on s'est implanté, on a signé un projet en 2007. On a mis 2 ans pour maîtriser le foncier avant de construire l'usine. On a mis moins de 2 ans pour construire l'usine. Voilà, donc le foncier est quelque chose d'important, il ne faut pas le négliger. La deuxième chose, et là, Lyon peut aider, peut-être par la création d'un club d'affaires très pratique, hein, où ceux qui sont déjà implantés en Inde viennent donner leurs conseils à ceux qui ne sont pas, c'est le relationnel, c'est-à-dire trouver le bon partenaire est un sujet en Inde. Le bon partenaire industriel, parce qu'on sera toujours accueilli à bras ouverts comme partenaire économique ou financier, mais pour trouver un bon partenaire industriel, on a besoin d'aide. Voilà, enfin, j'ai cité l'approche intellectuelle. Culturelle, l'implication sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Corporate social responsibility, c'est très important. Votre prédécesseur me tirait la manche en me citant un programme qui est lié à ce que l'actualité a pu rapporter comme problème dans certains endroits, pour les femmes. Ils disaient, mais il y a un problème d'intimité qui est lié au fait qu'il n'y a pas de toilettes pour femmes. Donc construisez des toilettes pour femmes. On l'a fait sur nos sites. Ça peut porter à sourire quand on est à Lyon dans un certain confort. Eh bien, c'est un élément important, très apprécié des communautés. On l'a fait. On a également des réalisations d'une modernité incroyable. Au fin fond de la campagne de l'Andhra Pradesh, on a créé un dispensaire Internet, un e-dispensaire, où les villageois peuvent, par Internet, être en contact avec les plus grands spécialistes des pathologies dont ils sont victimes. Et ceci marche très bien et a apporté quelque chose de désensé. Ce sont des exemples parmi d'autres qui montrent qu'une implantation d'un industriel français en Inde n'est pas uniquement une affaire de compte d'exploitation, c'est un projet social. Et c'est très important. Le dernier point, et je vais insister là-dessus, la population indienne est très qualifiée. On y trouve des ingénieurs, on y trouve des techniciens qui veulent travailler. Hein, le travail n'est pas une activité annexe où on y passe 35 heures par semaine. Non, on vit pour l'entreprise, on travaille, on s'adapte très vite. Vous savez, une entreprise qui a deux siècles d'histoire, il y a une culture d'entreprise, une culture familiale très forte. Eh bien, nos équipes indiennes sont plus vika que nos équipes françaises. Donc, c'est une équipe, ce sont des personnalités qui s'adaptent, qui sont travailleuses, qui font ce
qui vont dans la direction qu'on leur donne en y apportant une plus-value. Population jeune qui a soif d'apprendre et qui marche au défi. Hein. Les challenges sont reçus, sont réalisés et ça marche très bien. Et nous avons sur nos sites des plans d'emploi locaux, les local employment plans qui marchent très bien et qui permettent d'apporter une réponse justement à la problématique que vous citiez liée au foncier. Lorsqu'on rachète des terres qui sont le seul moyen de subsistance des paysans qui sont là, eh bien on leur offre un travail noble, on les forme à cela et croyez-moi, ils renvoient l'ascenseur et l'activité opérationnelle en Inde est très bonne. Et voilà, c'est l'essentiel de mon témoignage. S'il y a des questions ultérieures, je serai prêt à y répondre. Et je voulais vous présenter ceci. Merci. Alors moi, je vous propose de peut-être garder les questions pour la fin, hein, comme ça on avance. Pardon. Donc du coup, on va passer à Xavier Daval, en fait, de l'entreprise Kilowatt Sol. Donc c'est une entreprise, on va dire, de taille un petit peu plus similaire au vôtre, certainement. Et par contre, donc, ils sont labellisés Pépite depuis, je ne sais plus combien d'années. 4 ans. Voilà, 4 ans. Donc c'est une entreprise à croissance rapide et donc extrêmement innovante. Donc on est très fiers. Merci. Alors, l'Inde est un pays... On ne peut pas parler de l'Inde de façon neutre. C'est pas comme il y a certains pays où on va dans ce pays, on fait du business, etc. L'Inde, c'est toujours lié à l'émotion. J'ai plein de souvenirs, j'y vais régulièrement. Je travaille avec des Indiens, je travaille des Indiens en Inde et je travaille des Indiens en dehors de l'Inde. Donc c'est des exemples assez particuliers. Mais vraiment, il y a une émotion particulière. On ne peut pas aller en Inde, ça ne peut pas être neutre. Ce qu'on verra là-bas, il y a un choc culturel qui est très fort. On est dans un environnement qui est complètement différent du nôtre, dans lequel, effectivement, il faut parler des traditions, il faut parler de la spiritualité, il faut parler de la jeunesse, 25 ans de moyenne d'âge, avec une envie et une soif de bosser. C'est-à-dire, moi, je suis père de famille, j'ai des adolescents, des grands ados. J'ai une expérience, par exemple, un jour, j'étais à Mumbai, et j'avais fini un cycle de travail, mon avion était le lendemain, ma femme adore faire la cuisine, et je me suis dit, je vais aller sur un marché acheter des épices. Je ne savais pas où il y avait un marché, j'arrête une personne dans la rue, une jeune femme, elle était étudiante, elle a pris 2 heures de son temps pour aller négocier avec moi sur le marché pour acheter des épices. Et elle m'a expliqué qu'elle avait 2 heures de voyage tous les matins pour venir à l'université, elle était déjà ingénieure, elle préparait son master, et donc elle passait la matinée faire ses cours, l'après-midi elle était prof assistante pour payer ses études et elle reprenait 2 heures de route pour rentrer chez elle et elle a passé 2 heures avec moi pour m'accompagner et négocier des épices. Cette soif de bosser, cette envie de bosser, il est choquant, il est frappant. Et si nous, gentils européens, on ne comprend pas ça, c'est le monde qui est face à nous et c'est le monde dans lequel nous sommes. Voilà, donc si j'ai un témoignage à vous donner, le premier, il faut retenir ça. Après, les Indiens, Ce sont des négociateurs dans l'âme. À partir de l'âge de 5 ans, en Inde, on sait déjà négocier. Vrai ou pas, monsieur, votre excellence ? Et il faut savoir que tout se négocie, c'est-à-dire que quand on va acheter quelque chose, il n'y a jamais aucun prix affiché. Et quand on a pris ça en compte, eh bien on se rend compte que les relations commerciales dans un monde occidental où les choses sont affichées, vous avez le prix, voilà, etc. Eh bien non, le prix, dites-vous bien que c'est... vous enlevez 70% si vous voulez être dans l'ordre de grandeur, de là il faut arriver. Ok ? Donc nous, on se dit, je vais gagner 5%. Non, non, ça, on ne s'est pas compris. Donc les négociations sont compliquées. Il faut savoir que les négociations, elles sont techniques. Oui, c'est un peuple d'ingénieurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont un niveau technique très élevé. Ensuite, une fois qu'on aura négocié la technique, on passera à la finance. Et sur tous les prix, sur les conditions de vente, sur les modes de paiement, tout va se discuter. Et puis ensuite, on passera aux conditions d'exécution, sur les délais, sur la livraison, sur le rendu des choses. Et quand vous serez passé 3 fois à la moulinette, vous aurez enfin compris comment on fait du business avec l'Inde. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Flexibilité.
Les délais, les transports, ça peut être impressionnant. Aller d'un point A à un point B dans certaines agglomérations, c'est juste un peu compliqué. Et quand on vient avec un référentiel occidental, on se dit « je vais rater mon avion », on arrive, on a raté son avion, et on se dit ben, « il faut que j'aille au comptoir, refaire mon boarding pass », et on vous dit « mais non, ça c'est valable pour n'importe quel avion, celui que vous voulez quand vous pourrez en prendre un ». Oui, ok, il faut juste le savoir. Il y a une certaine forme de flexibilité naturelle qui est parfois opposée de notre référentiel à nous. Je vous ai parlé quoi, la concurrence entre États, oui, là aussi c'est assez impressionnant. Moi je suis dans l'énergie solaire et c'est hallucinant de voir l'Inde est un pays qui a besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie et d'énergie propre si possible. Eh bien, la concurrence entre États, elle est très forte, mais elle va dans la mise en œuvre de moyens, infrastructures, etc., pour accueillir les projets et les rendre plus valorisants. Ça, c'est aussi unique. Et ils savent très bien que les porteurs de projets ou les développeurs de projets, le business, il est ouvert. C'est-à-dire que c'est l'État qui offrira les meilleurs moyens, qui recevra les meilleurs projets. Ça, c'est tout à fait fort. Et donc, plein d'opportunités. Et surtout, pensons à l'avenir. Nous sommes, nous, dans des civilisations qui sont un petit peu déclinantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas avec des fortes croissances, on va dire, pour dire le moins. La vision qu'on peut avoir en Inde, pour aujourd'hui et pour les 20 ou 30 ou 50 prochaines années, elle est avec des croissances fortes. Ce qui veut dire que si on pense qu'on peut continuer tout seul dans notre coin, on a tort. Il faut un certain temps pour que ce pays absorbe son propre besoin intérieur. Et là, il y a des opportunités à saisir. Ensuite, une fois qu'ils auront satisfait leurs besoins intérieurs, ils seront aussi à l'assaut du monde. C'est un pays de commerce. C'est un pays dans lequel il y a aussi, au-delà du fait que ce sont des ingénieurs, ce sont aussi des commerçants. Ils savent faire du business et ils n'ont pas peur de prendre leur petite valise et d'aller n'importe où. Et vous trouvez des comptoirs indiens partout. C'est bien une preuve que c'est un pays de commerce. C'est aujourd'hui qu'il y a des opportunités à prendre. À mon avis, je ne suis pas là pour faire la promotion de l'État indien. Il le fait très bien lui-même. Mais je pense qu'en tout cas, c'est un pays qui n'est pas négligeable. Il faut vraiment aller les rencontrer et essayer de comprendre. Il y a plein d'opportunités. Xavier ou Pune? Vous pouvez nous rappeler un petit peu les chiffres de votre entreprise pour qu'on se rende compte un petit peu. Bon, c'est très modeste. Chiffre d'affaires, 1 million d'euros, 10 personnes. Et sinon, on a au compteur 5 gigawatts d'expérience de projets solaires, 1500 dossiers sur toute la planète. Et pour que vous compreniez un petit peu, le marché mondial, c'est un peu plus de 200 gigawatts. Le marché des grands projets, c'est une grosse centaine. On en a touché 5. Voilà. Donc pas mal en Inde. Ah pardon, oui, je n'étais pas là pour faire la promotion de Kilowatt Sol. Donc nous sommes experts en énergie solaire. Donc notre métier est de... Enfin, on est experts en énergie renouvelable, mais le solaire est notre grosse activité. Et notre métier, pour que vous compreniez, les grands projets se construisent sur la base de l'énergie qui va être produite dans le futur. Et nous, nous sommes l'expert qui va pouvoir attester de la récurrence des revenus d'un projet au travers de la compréhension de la solution technique. On est là pour dire combien ça va faire de kilowattheure. Bon, merci beaucoup. En tout cas, c'est pour vous montrer que c'est possible. En fait, quand tu es plutôt une TPE, finalement, à 10 personnes, c'est pas très gros. Moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, voilà. Mais par contre, un savoir-faire, en fait, qui est reconnu. Voilà. Donc, c'est un petit peu, je pense, et évidemment, donc, on peut noter, on va dire, l'enthousiasme, en tout cas, des personnes qui sont présentes, en tout cas, en Inde. Donc, c'est un marché, certes, pas très simple, on est d'accord. Et puis, d'ailleurs, ça tombe bien, puisque Pierre est là pour nous en parler. Donc, Pierre Denuel. Oui, bonjour. Moi j'ai une carrière dans le ferroviaire, j'ai été directeur du projet TGV Eurostar, j'ai été aussi conseiller ferroviaire à la mission économique française en Chine pendant 5 ans. Mais depuis une petite dizaine d'années, je passe quelques semaines chaque trimestre en Inde pour accompagner des PMI, essentiellement de la région, et essentiellement, moi je suis ingénieur dans le domaine des biens industriels, de la technologie. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire M. Daval. Il vient de dire qu'il y a un marché mondial de 200 gigawatts de solaire. L'Inde a un programme de 100 gigawatts. Donc, effectivement, pour une entreprise qui est dans ce secteur-là, c'est très dangereux de ne pas être en Inde. Parce que vous n'aurez pas les effets de volume et donc vous n'aurez pas les effets de prix dans un marché qui est hyper concurrentiel. Je vous donne un autre exemple dans un de mes domaines où j'ai pas mal travaillé dans ma vie, dans les transports urbains. Au jour d'aujourd'hui, la Chine est presque autosuffisante.
Je suis allé à une réunion de la Chambre de commerce franco-arabe il y a quelques semaines. On estime à 40 le nombre des villes millionnaires au Maghreb et dans le Golfe dans les 15 prochaines années qui sont susceptibles de se doter d'un tramway ou d'un métro. Dans la même échéance de temps, en Inde, il y en aura 130 de villes millionnaires. Et le gouvernement indien, l'an dernier, subventionnait tous les projets de transport urbain, transport collectif, donc tramway, métro, pour les villes de plus de 3 millions. Il vient de baisser le seuil à 1 million. Donc vous avez 130 projets possibles de transport urbain en Inde. Et l'Inde a une industrie ferroviaire, mais l'Inde ne produit pas encore les systèmes de signalisation et les matériels roulants. Certes, vous avez Alstom, vous avez Bombardier, vous avez pas mal d'industriels étrangers, mais ce ne sont pas encore des sociétés indiennes. Donc c'est autant d'opportunités pour les sociétés occidentales. Alors donc, moi, je voulais vous inviter un petit peu, comme tous les intervenants, à aller en Inde. Et moi, personnellement, je vais vous dire que je suis de famille d'origine alsacienne, j'ai fait allemand première langue, mais je n'ai aucun problème linguistique et culturel à travailler en Inde. Je vous ai dit, j'ai travaillé 4 ans sur le projet TGV Eurostar en Grande-Bretagne, et comme les Anglais parlent très bien français, on faisait toutes les réunions, absolument toutes, en anglais. Et donc, au jour d'aujourd'hui, je travaille régulièrement avec une centaine d'Indiens, la grande majorité des ingénieurs, j'ai à peu près 400 cartes de visite, surtout d'ingénieurs indiens. Il y en a 2 dont je ne comprends pas l'anglais. Donc je comprends parfaitement, j'ai un anglais suffisant, hein, qui n'est même pas parfait, mais qui est suffisant pour faire du business pour faire en sorte de s'entendre. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire du business sur toute la planète et en Inde en particulier, tant que vous n'avez pas rencontré les gens, et quand les hommes et les femmes ne se sont pas appréciés, on ne peut pas faire de business. Il faut d'abord s'être rencontré, il faut d'abord comprendre l'autre personne, ses objectifs. Et de ce point de vue-là, je trouve que l'Inde est une myriade de cultures, de langues, de religions, d'habitudes régionales. Mais du point de vue business, tous les Indiens que j'ai rencontrés, ils sont câblés comme nous du point de vue business. Parce qu'ils commercent avec la Grande-Bretagne depuis toujours, parce qu'il y en a des centaines de milliers qui sont venus des États-Unis, qui ont fait des MBA, etc. Point de vue business, ils sont totalement occidentaux. Alors qu'il y a beaucoup de pays en Asie, le Japon, la Chine, où il faut que votre interlocuteur vous ait vu 10 fois avant qu'il commence à s'ouvrir et à vous livrer un petit peu le fond de sa pensée et ce qu'il aimerait faire. En Inde, tout de suite, on va vous dire, je ne sais pas, on va dans une usine, il y a un problème de rebut industriel, on va vous dire le pourcentage. La personne dans une usine de défense qui vous dit ce pourcentage-là de rebut en Chine, c'est directement par la case prison. Il n'a pas le droit. En Inde, on vous met la chose sur la table. Il y a un problème de rebut industriel. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et on parle directement du sujet. Et je dirais, au bout d'une heure, on connaît à peu près la psychologie, la personnalité de votre interlocuteur. Donc je dirais, allez en Inde, faites du business avec l'Inde. Il n'y a pas. On parle souvent de la barrière linguistique. Je suis désolé, à partir du moment où tous on a fait un petit peu d'anglais à l'école, qu'on s'est un petit peu promené sur la planète, il n'y a pas de barrière linguistique. Et du coup, un très grand avantage aussi dans tout ce qui est un petit peu technique, mais c'est vrai aussi dans le B2C, vous avez en Inde énormément de littérature, pas en hindi, mais enfin moi je n'aime pas l'hindi, mais en anglais, qui vous parle de tout. Vous avez des livres, des magazines, des sites internet, vous avez énormément d'informations qui vous aident à faire une étude de marché sur certains secteurs. Pour avoir une étude de marché au Japon, en Chine, c'est très difficile, parce qu'au-delà de la barrière linguistique, il y a une barrière culturelle, les gens ne parlent pas, l'information circule moins librement. En Inde, bon, c'est une démocratie, ça doit influer là-dessus, on parle de tout, on explique tout. Quand il y a un problème, il est sur la table, il est dans la presse, il est connu. Et donc toute l'information économique, en particulier, elle est très facile à accéder. De manière générale, je trouve que les Indiens, en particulier les ingénieurs, parce que c'est les gens avec qui je travaille, sont des gens extrêmement ouverts, gentils, très humains. Si vous êtes de passage dans une ville une seule journée et que vous voulez les voir, ils vont se débrouiller pour se rendre libre et pour vous recevoir. Et ce n'est pas vrai dans tous les pays d'Asie et dans tous les pays sur la planète. Et puis alors un autre point aussi qui favorise beaucoup le fait de faire des affaires avec l'Inde, c'est qu'en tant qu'étranger, et contrairement aux Indiens, à partir du moment où vous avez un dossier technique à traiter, vous n'avez pas à avoir le complexe de l'imposteur et vous pouvez vous adresser à toute la chaîne de l'entreprise. Moi, il m'est arrivé pour un de mes clients français d'aller discuter d'un dossier avec Sir Ratan Tata.
En novembre, j'ai vu le secrétaire d'État aux énergies renouvelables, le directeur général des 50 labos de la Défense m'a proposé pour une entreprise, pour un projet, de faire un similaire d'une journée avec son état-major. Donc vous n'avez pas de problème pour accéder les décideurs. Disons, à partir du moment où vous avez un vrai dossier technique, une vraie valeur ajoutée, une technologie discriminante qui peut aider le pays. On a parlé de la disponibilité des ingénieurs. L'Inde, comme la Chine, forme 500 000 d'ingénieurs par an. Donc effectivement, pour faire des projets techniques en Inde, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des scientifiques en Inde qui s'intéressent à beaucoup de sujets. Je peux vous dire par exemple que j'ai développé un brevet, 4 scientifiques indiens, dans un brevet lié à l'éclairage en utilisant des nanotechnologies. Et donc de ce point de vue-là, c'est très facile de travailler avec une équipe de 4 scientifiques indiens. C'est un peu comme s'ils étaient au CEA à Grenoble, c'est aussi facile que ça de travailler avec eux. Je voulais vous dire aussi quand même que quand on fait du business avec l'Inde, il faut savoir qu'il y a, il y a quand même quelques contraintes et quelques ressources rares. Les taux d'intérêt en Inde sont très élevés, ce qui fait que, par exemple, une entreprise comme Dassault qui vend des avions d'affaires Falcon, qui en a vendu des dizaines et des dizaines, il doit en avoir 30 ou 40 aujourd'hui en Inde, les finance à partir de l'Europe et ne s'adresse pas à des banques locales parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Ce qui fait que si vous avez un projet industriel, un projet d'implantation là-bas, si vous n'avez pas un taux interne de rentabilité élevé, ce n'est pas la peine. Il faut aller dans un pays où les ressources sont moins coûteuses financièrement. Au niveau des conseils pratiques, si vous devez rencontrer des ministères ou des entreprises publiques, vous ne pourrez pas rentrer dans le bâtiment si vous n'avez pas un visa d'affaires, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et donc, avant de partir, demandez bien un visa d'affaires et non pas un visa de tourisme. Et prenez-vous un petit peu à l'avance, un mois à l'avance, parce que il y a tout un dossier à remplir. Et nous n'avons pas encore, nous aurons peut-être un jour un consulat indien ici à Lyon. Et donc, en pratique, soit vous passez par une agence, mais le temps de l'aller-retour est de l'ordre de 3 semaines. Donc, s'il manque un document, il faut s'y prendre au moins 6 semaines à l'avance, à mon avis. Ou alors, il faut aller à Paris. Et prendre des photos, etc. Oui. C'est donc très facile d'aller en Inde. C'est très agréable de travailler avec les Indiens. Il y a beaucoup de projets. Le marché est immense. Les perspectives en termes d'énergie, de transport, de télécom, il y a des marchés à prendre partout. La seule chose, c'est que, ce qui a été dit tout à l'heure, le niveau des prix est extrêmement exigeant. Et il m'est arrivé, effectivement, le pricing, le niveau des prix, il m'est arrivé, avec une entreprise de la région, d'aller par deux fois, une dans une grande entreprise privée, Larsen & Toubro, et une fois dans un laboratoire de la Défense, négocier la vente d'une machine. Après plusieurs jours de négociation et plusieurs allers-retours sur place, on avait enlevé le tiers de la machine du plan de charge, notamment des carcasses, des pièces de tôlerie qu'on pouvait acheter moins cher localement. On avait réduit les prix, on avait enlevé la marge, on avait réduit les prix, on avait réduit les commissions. On était arrivé à 50% de la valeur de vente habituelle du produit dans le monde. Et bien, dans les deux cas, l'entreprise privée comme le laboratoire public avaient des budgets inférieurs à ce 50%. Et donc, c'est le 70% que vous avez cité, tout à fait. Et dans les deux cas, ils nous ont dit très gentiment qu'ils étaient obligés de trouver des solutions pour fabriquer l'équivalent de la machine par eux-mêmes. Et ils l'ont fait. C'est pas de la copie. C'est ce que les Indiens appellent, alors je vais m'excuser pour la prononciation, le Jugat, qui est l'ingénierie, on dit en anglais « good enough ». C'est juste bon, ça fait le boulot. C'est grosso modo le résultat d'une analyse de la valeur. On n'a pas besoin de toutes les fioritures, de tous les perfectionnements. On veut juste faire la fonction de base et la faire correctement. Et là, dans ces cas-là, l'entreprise privée, ça, c'est pas très logique pour une entreprise privée, surtout une grande entreprise privée, etc., mais elle est pleine d'ingénieurs. C'est une entreprise qui a 50 000 ingénieurs. Ils ont fait la machine par elle-même. Ce n'était pas leur métier, ce n'était pas leur vocation, mais ils n'avaient pas le budget. Donc, c'est à savoir. Et puis, de manière générale, ça sera ma conclusion, c'est très facile d'aller en Inde, c'est très, très agréable d'interagir avec les Indiens, de faire avancer les affaires, de discuter, mais la chose la plus difficile en Inde, au bout du compte, c'est de signer l'affaire. Pour ces raisons de niveau de prix. C'est obtenir la signature.
Bien, merci beaucoup à tous, en tout cas pour ces témoignages très, très vivants. Hein. Donc moi, je vous propose de passer en fait aux questions. Peut-être, Philippe Lémoni, vous avez une question, non? Pour commencer. Moi, j'ai une expérience avec l'Inde d'acheter en Inde, donc pas de vendre. C'est aussi compliqué. Et là aussi, les discussions de prix sont aussi très, très longues. Mais bon, c'est un pays, je rejoins tous les intervenants, c'est un pays attachant. On n'y va pas comme dans d'autres pays. Il y a une dimension culturelle, interculturelle qui est extrêmement importante. Et c'est, je crois, la clé du succès du business, c'est de savoir écouter et rentrer dans cette culture qui est vraiment très, très différente de beaucoup d'autres pays dans le monde. Voilà. Voilà, moi, je vous invite à poser vos questions, donc, soit à M. l'ambassadeur qui est là avec nous, qui, à mon avis, sera très content d'y répondre, et puis à l'ensemble de nos intervenants d'aujourd'hui. Bonjour, Votre Excellence. Thierry Perrin, commercial, export sur la zone Europe, mais néanmoins, je m'intéresse au potentiel de l'Inde. Question sur les 29 États et 7 territoires. Quels sont les États, les territoires où le potentiel économique est le plus important? Quels sont les... On parle beaucoup d'une classe moyenne émergente qui... dans les 20 années à venir, aura des besoins un peu similaires aux consommateurs européens. Quel est le pouvoir d'achat de cette classe moyenne? Quels sont les besoins immédiats? Parce qu'il n'est pas tout d'aller se positionner en Inde, c'est voilà, en termes de priorité. Quelles sont les industries que vous verriez bien s'implanter en Inde? Et également, quel est l'état des infrastructures routières, de transport qui relient tous ces États? Parce que c'est quand même vital. Merci beaucoup. Ça dépend vraiment de votre secteur. Enfin, si on parle de, par exemple, le téléphone portable, ça c'est pour tout le monde. L'État n'a aucune importance. Donc, il y a des sociétés comme Xiaomi, par exemple, et Foxconn, Taïwan, qui a vraiment investi d'une manière très significative en Inde. Parce que vous vous rendez compte que même maintenant, on a seulement 200 millions de personnes qui ont accès à Internet en Inde. Je dis seulement 200 millions parce qu'on a quand même 1,3 milliard. Donc 70% de la population n'ont pas accès soit à Internet, soit à smartphone. Et on a beaucoup de phones basiques, si vous voulez, même dans les zones rurales, le Nokia, comme on dit. Nokia aussi, ils ont des smartphones, mais moi je parle de vraiment le Nokia basique. Hein. Donc, si vous parlez d'un produit qui est valable pour tous les États, ça c'est autre chose. Sinon, c'est très facile, vous pouvez même regarder les PIB de chaque État en Inde. L'État les plus développés sont soit dans le sud ou bien dans l'ouest, je vais dire. Nord et nord-est, c'est un peu moins développé. Hein. Donc, ça c'est un point général. Mais si vous voulez, enfin, on a identifié 25 secteurs, il y a des brochures Make in India, j'ai oublié, enfin, à attirer l'attention de tout le monde, on a distribué les copies, on a identifié 25 secteurs. Et dans les secteurs, vous pouvez voir très facilement les investisseurs étrangers, et on a aussi des adresses de usines, par exemple. Donc, vous pouvez très facilement faire vos calculs en regardant les brochures. Hein. Mais si vous me dites quel est le produit que vous voulez vendre et le service que vous voulez vendre, on peut vous aider. Hein. Il y a aussi une agence qui s'appelle Invest India. C'est marqué dans la brochure d'ailleurs. Et Invest India, c'est vraiment, comme on dit en anglais, hand-holding agency. On tient votre main comme un investisseur potentiel pour vous aider dans la procédure entière. Et ça peut être intéressant pour vous. La Invest India, c'est leur responsabilité. Vous pouvez envoyer une question, la même question que vous me posez, vous l'envoyez, vous avez droit de réponse dans 5 jours, je crois. Mais essayez, parce que Invest India, c'est leur responsabilité de répondre à votre question comme investisseur potentiel. Hein. Merci. Thank you.
D'accord. Tout d'abord, à Paris, on ne prend jamais, jamais plus de 5 jours. Ça, c'est absolument vrai, incontestable. Même pour les visas les plus compliqués, hein, c'est 5 jours maximum à Paris. En ce qui concerne Lyon, nous avons un bureau ici qui reçoit les demandes. Et les demandes ont transféré à Paris. Et puis à Paris, on est obligé de traiter votre demande et ça revient à Lyon. Je ne crois pas que c'est 6 semaines, mais je me renseignerai. Hein. Deux cycles, ok. Et puis, troisièmement, je voudrais savoir, je voudrais souligner tout simplement qu'on a introduit un système de visa électronique. Vous n'avez pas besoin de venir à Paris si vous avez besoin de visa tourisme. Malheureusement, pas visa affaires, mais visa tourisme maintenant. Vous pouvez rester chez vous, rester devant votre ordinateur et vous faites votre demande. Dans 3 jours, vous avez une réponse. Faites imprimer votre réponse, la réponse de New Delhi. Allez directement à l'aéroport à New Delhi. C'est ce qu'on fait maintenant. Écoutez, je vous dis très franchement qu'il y a 500 visas par jour, l'ambassade de l'Inde. L'ambassade de l'Inde à Paris s'occupe de 500 visas par jour. Ça ne doit pas prendre 6 semaines de toute façon. Si vous venez à Paris, je peux vous garantir que c'est max. Moi, je pense que c'est 3 jours, mais pas plus de 3 jours. Mais ici, si vous voulez, si le CCI peut me renseigner alors combien de demandes il y en a chaque mois, on peut regarder les arrangements. Et dernier point, il ne faut pas, comment dire, I'll say this in English, don't misunderstand me, il faut aussi regarder le temps pris par l'ambassade de France à New Delhi. Je ne vais pas dire plus. Parce que vraiment, ce n'est pas votre question, vous avez raison. Vous parlez de Lyon, vous êtes un Français, vous avez besoin de visa indien, je comprends très bien. Mais État à État, c'est autre chose. Hein. Merci.